on s'est tous fait scotcher à la répétition. Ça, c'est vrai. Il s'est passé un truc mais grave, étonnant. On a rarement vu un chanteur avec une présence. Il est mort de rire en plus. Il a une drôlerie. Il s'est passé un truc à une impro en plus. On va vous faire ça. Écoutez, sympathie, vous pouvez vous lever. On va se lever déjà. On va pouvoir danser. Mais surtout, écoutez bien cette nouvelle version de ce titre des années combien, 70 ? 1969. 1969. Ouais. Graham, c'est à toi. And when you climb into your bed tonight, and when you lock and bolt the door, just think of those out in the cold and dark, 'cause there's not enough love to go around. Sympathy is what we need, my friend. Sympathy is what we need. Sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. 'Cause there's not enough love to go round. Now half the world hates the other half, and half the world has all the food, and half the world lies down and quietly starves, 'cause there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around, 'cause there's not enough love to go around. Sympathy is what we need. Sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around. J'ai rarement vécu un moment aussi étonnant dans cette émission. Ce monsieur que je ne connaissais pas il y a 2 jours. Yann Cho. Il s'appelle Yann Cho. Oui, c'est ça. Je m'appelle Yann Cho. Vous savez, cet après-midi, on a commencé à délirer parce que on était tous émus par cette voix. Et je lui ai dit, mais tu ferais d'autres titres? Et il me dit, moi, ce que j'aime, c'est le jazz. Et je vous jure qu'à la seconde où c'est parti, on va essayer de refaire ce qu'on a fait cet après-midi. Je lui ai dit, j'ai dit aux musiciens, vous n'avez pas un truc de jazz comme ça? Et ils ont improvisé tous en même temps. Bon, on l'a fait une fois, donc c'est plus de l'improvisation, mais on peut essayer. Ce que tu as fait cet après-midi, c'était pas prévu. Comment c'était? A little blues in C, a little improvisation. Oui, exaction. J'ai rien compris, mais tu peux y aller. Merci. All right, 1, 2.
Well, they call it Stormy Monday. Tuesday's just as bad. When they call it Stormy Monday, Tuesday's just as bad. Wednesday's worse. Thursday's mighty, mighty sad. Yeah. Well, the flash flies out on a Friday. Saturday, I go out and I play. Well, the flag flies out on a Friday. Saturday, I go out and I play. I want a little solo from Mr. Graham on the piano. That's good today. Monday, Tuesday's just as bad. Wednesday's worse. Everything's mighty, mighty sad. Oh, c'est énorme. Sans répétition. Les musiciens, levez-vous les musiciens, je veux qu'on vous applaudisse aussi. Yann Shaw, promettez-moi, promise me, que vous reviendrez dans cette émission faire autre chose parce que c'est trop bien. Merci, merci. You swear you'll be back Ouh. When you want, as soon as possible. C'est extraordinaire. Cet après-midi, on a eu un choc, et ce soir aussi. Tu sais, il y a des gens qui sont tombés dedans quand ils étaient des petits Michel. Hein. C'est étonnant. Et c'est que de l'improvisation. Hein. Ah ouais, ouais. C'est ça qui est incroyable. C'est incroyable. Je crois même qu'ils ont chanté une autre chanson que Mais je me demande s'ils n'ont pas chanté une autre que cet après-midi. Ça exactement. Ça n'est pas la même. Il est fou. Mais le succès des Rarebird avait commencé en France par 600 000 disques vendus. Ouais, et après, ça s'est répandu dans le monde entier. Ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'en fait, c'était grâce à la France que Sympathy avait... Maintenant, je vais vous dire, les producteurs de disques, là, vous avez vu ce type-là qui chante. Moi, je serai à votre place. Je prends contact tout de suite avec lui pour le faire travailler, parce que c'est un personnage. En plus, il a un humour de fou. Il a une voix de fou. Une présence. Non, c'est surtout un musicien. Ça se voit, ça se sent, ça s'entend. Il a le son, il a le sens. Non, c'est une bête. C'est une bête féroce.